Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la litho numéro du mois d'août. C'est parti. Alors, pour les calculs, je vous invite à voir les anciennes vidéos. Là, on passe rapidement sur comment calculer son année personnelle. Maintenant que vous connaissez votre année personnelle, on va commencer avec l'année personnelle 1. Quand on est en année personnelle 1, on est pour le mois d'août en mois personnel 9. Donc l'année personnelle 1, on l'a déjà vu, c'est l'année du nouveau départ, de la mise en place de nouvelles choses. Et quand on est en mois personnel 1, c'est un mois où voilà, il va falloir faire le tri entre tout ce qu'on a mis en place, qui est bon et qui est moins bon. C'est une année où on a vraiment fait beaucoup de nouvelles choses. Tout ne marche pas, tout ne fonctionne pas, donc il ne va pas falloir s'accrocher à ce qui stagne, en fait, à ce qui va ralentir. C'est difficile parce que c'est une année qui nous demande en permanence d'analyser, de décider, de faire des choix, de voir ce qui a été bien fait, mal fait, ce qu'il faut améliorer. Bien là, ce mois 1, c'est un mois qui va vraiment nous dire « Allez, on part sur de bonnes bases, t'as expérimenté plein de choses, maintenant, garde ce qui est bon, garde le meilleur, parce que pour que ce soit bénéfique pour la suite. » Donc voilà le mois d'août pour les années personnelles 1. Pour aider ces personnes-là, je vous conseille d'utiliser la schistolite, qui est une pierre qui va accompagner dans la réalisation de sa mission de vie. La croix qui est dessinée, qui est naturellement dessinée sur cette pierre, aide à prendre la bonne direction, les bonnes décisions. Elle va aussi calmer les peurs, elle va réguler les angoisses et les anxiétés et va favoriser l'objectivité. Pour les personnes en année personnelle 2, vous serez en mois personnel 1. Alors l'année personnelle 2, on l'a vu, c'est l'année de l'association, de la patience, de l'union. Et bien ce mois-ci, au mois d'août, vous allez avoir envie de vous mettre un petit peu en retrait, de vous choisir vous, de vous prouver que vous êtes capable de faire les choses par vous-même. Vous pouvez ressentir le besoin d'indépendance. Voilà, c'est un mois où vous allez avoir envie de mettre en œuvre de nouvelles choses, mais par vous-même. Vraiment, autant vous êtes dans une année avec ce dynamisme du duo, de l'association, autant là, ce mois-ci, vous allez vous dire, non, allez, moi, de quoi je suis capable, qu'est-ce que je peux faire, moi, tout seul. Pour vous accompagner dans ce mois-ci, je vous propose l'unakite. L'unakite, c'est une pierre qui va amener à l'introspection du cœur, amener à l'introspection des émotions, aller à l'introspection de ses propres émotions et de son propre cœur, bien évidemment. Elle défait les blocages mentaux, elle pousse à sortir de sa zone de confort, puisque quand on fait les choses par nous-mêmes, on a besoin parfois de se challenger. Et si besoin, c'est aussi une pierre qui guérit les blessures émotionnelles du cœur. Donc voilà, pour ce mois-ci, c'est une pierre qui va vous accompagner, qui va vous aider à aller au fond de votre cœur, de vos envies, de qui vous êtes, de ce dont vous avez besoin vous-même. Pour les personnes qui sont en année personnelle 3, vous allez être en mois personnel 2. Alors l'année personnelle 3, c'est une année de communication, d'échange, de je vais vers les autres, je parle beaucoup, je me mets en avant, j'ai envie de savoir, d'apprendre, etc. Ce mois 2, il pourrait vous rendre un petit peu hypersensible, vous aurez peut-être besoin de voir un petit peu moins de monde, de prendre du recul. C'est aussi un bon mois pour faire une belle rencontre, puisque vous êtes dans le mois du 2, de l'association, de l'union, du duo. Mais quoi qu'il en soit, le monde va moins vous attirer ce mois-ci. Plutôt des rencontres de qualité, des choses qui vont se passer plus en face à face, voire même tout seul, mais pas forcément la foule et pas forcément papillonner comme ça d'une personne à l'autre pour faire des rencontres plus ou moins éphémères. Vous allez avoir besoin d'aller plus vers l'essentiel.
Pour ce mois-ci, je vous conseille de vous accompagner de l'œil de faucon, qui est une pierre qui va, vous imaginez, le faucon qui prend la hauteur et qui justement a cette vision périphérique et qui, c'est une pierre qui aide à prendre du recul face à des situations ou face à des personnes, et elle va développer le sens de l'écoute, de l'observation. Elle permet d'avoir une vision d'ensemble et elle atténue l'agitation intérieure. Donc c'est une pierre qui va vraiment vous aider à prendre du recul et aller uniquement vers ce qui va vous faire du bien plutôt que d'aller vers la multitude et la foule. Pour l'année personnelle 4, vous allez être en mois personnel 3. Donc l'année personnelle 4, on l'a déjà dit, c'est l'année de l'effort, c'est l'année du travail, de la construction. Et ce mois d'août, il va vous amener à prendre du bon temps. Le 3, c'est la légèreté, c'est je vais vers les autres, je m'amuse, je prends du plaisir. Ben, ce mois-ci, ça va être ça pour vous. Vous allez avoir besoin de mettre de la légèreté dans votre vie, de faire des rencontres éphémères, de voilà, de pas vous prendre la tête. Vous êtes dans une année très carrée, très construite, très planifiée. Là, vous lâchez un petit peu, vous lâchez prise et vous papillonnez un petit peu. Il va falloir vous accorder vraiment du bon temps. Prenez ce bon temps-là et surtout ne culpabilisez pas. Vous êtes dans une année qui est très marquée par le travail, par l'effort. Là, lâchez tout pour le mois d'août. Pour ça, je vous conseille la calcédoine bleue qui va vous apporter la paix intérieure, qui va tranquilliser le mental, diminuer le stress, donner de la légèreté. Vous allez en avoir besoin pour bien profiter de ce mois d'août. C'est aussi une pierre de communication qui va vous permettre du coup d'aller facilement vers les autres et d'échanger facilement avec les autres. Pour l'année personnelle 5, vous allez être en mois personnel 4. Donc l'année personnelle 5, c'est les changements, le mouvement, ça part dans tous les sens, c'est très dans l'action. Et dans ce mois-là, vous allez avoir besoin de rigueur, de mettre de l'ordre dans votre vie, de planifier. Vous allez être en quête de solidité, de base solide, de fondation solide. Et vous allez avoir tendance à refuser un petit peu les approximations, les incertitudes. Mais si vous vous retrouvez face à elles, parce que les gens en face de vous ne seront peut-être pas dans cette même rigueur-là, vous risquez de perdre un petit peu patience parce que ça ne sera pas dans votre schéma de ce mois-ci. Vous allez beaucoup vous investir pour obtenir ce que vous désirez, ce que vous désirez. Mais attention à pas trop attendre des autres. Pour ce mois-ci, je vous conseille de vous entourer d'une prénite. C'est une pierre qui donne du courage, qui donne de la persévérance et qui lutte aussi contre les peurs et les angoisses, parce que forcément, vous voulez quelque chose de solide, de planifié, et ça ne conviendra peut-être pas à tout le monde, donc il y aura peut-être des petites peurs, des petites angoisses. Et c'est aussi une pierre qui facilite l'acceptation de soi et des autres. Comme vous êtes dans un mois où vous allez devoir prendre les autres en considération et qu'ils ne seront peut-être pas dans les mêmes perspectives que vous, c'est une pierre qui vous fera du bien. Ensuite, pour ceux qui sont en année personnelle 6, vous allez être en mois personnel 5. Donc, l'année personnelle 6, c'est une année de recherche, d'harmonie, d'équilibre. Et vous êtes là au mois d'août dans un mois de mouvement, dans un mois de changement. Donc, pour trouver cet équilibre, il y a des choses à changer. Il y a des choses, il y a des choses qui peut-être ne vous conviennent pas, peut-être n'harmonisent pas votre vie, n'équilibrent pas votre vie. Et si vous les avez identifiées, c'est le moment, c'est le mois, puisque c'est le mois où on prend tout et on chamboule tout. Donc c'est vraiment le mois pour le faire, pour tout changer. Un seul mot d'ordre pour vous ce mois-ci, c'est l'action. Il va falloir que vous soyez serein parce qu'il peut y avoir des choses qui soient complètement inattendues. Sachez l'accueillir, sachez en faire de belles choses et vous verrez que vous allez arriver pas à pas un peu plus vers cette harmonie et cet équilibre que vous recherchez. Je vous conseille pour le mois d'août d'utiliser la pierre du soleil. La pierre de soleil, elle va vous apporter la vitalité, elle va vous apporter de la paix, elle va vous apporter de la joie. Elle va vous aider à passer à l'action, puisque c'est quand même votre mois d'action, on y va, on change tout. Elle va vous aider à aller vers les autres. C'est vraiment une pierre qui vous fera du bien pour ce mois d'août.
Pour ceux qui sont en année personnelle 7, vous allez être en mois personnel 6. Donc on le sait, vous êtes dans une année d'introspection, de travail personnel, de réflexion, de recul, d'analyse. Et vous allez être dans un mois où vous allez avoir besoin de vous rapprocher de votre famille, des personnes que vous aimez, des personnes qui sont chères à votre cœur. Vous avez besoin de mettre en place des choses avec eux, de partager des choses, des activités. Vous allez avoir besoin ce mois-ci d'être dans le partage. Vous êtes dans une année un petit peu de solitude, et là, mais pas avec n'importe qui. Vous allez avoir envie d'être dans le partage vraiment avec les personnes que vous aimez et qui sont vraiment très chères à votre cœur. Est-ce que c'est pour leur montrer à quel point vous avez évolué, à quel point vous rayonnez, je ne sais pas, mais en tout cas, vous allez pouvoir leur partager des choses. Pour ce mois-ci, je vous conseille d'utiliser un rubis sur fuchsite. C'est une pierre du chakra du cœur qui va apporter la joie de vivre, qui va apporter de la motivation et de l'harmonie. Et c'est aussi une pierre anti-stress. Donc vraiment, vous allez être dans un moment de partage, de communication, de joie, une harmonie avec votre famille. Le 6, c'est vraiment l'équilibre, l'harmonie, la famille. Donc c'est vraiment une pierre qui va vous apporter tout ça. Pour les personnes qui sont en année personnelle 8, vous allez être en mois personnel 7. Alors, l'année personnelle 8, c'est une année où vous faites tout pour atteindre les sommets de la réussite. Au mois d'août, on va vous inviter à prendre du recul, à faire un petit stop quelque part. Vous vous donnez beaucoup les moyens pour arriver à gravir tous ces sommets, à atteindre l'abondance, à avoir vraiment ce que vous désirez, c'est très bien. Mais à un moment donné, il faut aussi lâcher les vannes, se reposer. Vous êtes dans un mois où, si vous avez des vacances, si vous pouvez profiter de ces vacances pour vous mettre au vert, pour profiter un petit peu de la solitude, du repos, de la détente, ça sera vraiment le bienvenu. Lisez, flânez, allez vous balader dans la nature, faites ce que vous voulez, faites de la peinture, de la cuisine, ce que vous voulez, allez nager dans l'océan ou dans la Méditerranée, mais faites des choses qui vous relaxent, qui vraiment vous aident à lâcher prise. Voilà, c'est une année où vous donnez beaucoup. Là, ce mois-ci, on vous dit hop, ralentis, pense à toi, fais-toi du bien, fais des choses simples, dans le calme, et ça ira très bien. Et pour cela, je vous propose la Célestine qui pourra vous aider, parce que justement, elle apporte le calme, elle est très apaisante, elle est très réconfortante, elle va décupler la créativité, vous en aurez besoin pour vraiment trouver des moments comme ça à vous, où vous allez dans la créativité. Elle va agir contre les angoisses et elle va aussi, c'est aussi pour ça que j'ai choisi cette pierre pour vous, parce qu'elle va aussi aider à structurer sa vie, ses pensées et le travail. Vous êtes dans une année de travail, mais à un moment donné, il faut trouver cet équilibre et cette douceur dont vous allez, j'espère, profiter au mois d'août. Pour ceux qui sont en année personnelle 9, vous allez être en mois personnel 8. Donc le 9, vous le savez, je vous l'ai déjà expliqué, c'est une année de fin de cycle, c'est une année où on fait beaucoup le ménage. Là, ce mois-ci, vous êtes dans un mois où vous allez avoir besoin d'entrevoir la réussite. De vous dire, voilà, si je fais tout ça, comment je planifie, comment je vois ma réussite. C'est un mois où vous avez besoin de vous dire, maintenant ça suffit, il faut que ça marche. Il est temps que la carrière, le professionnel, parce que le 8 est très basé sur le professionnel, la carrière, change ou évolue en tous les cas pour aller vers du mieux. C'est vraiment votre besoin pendant ce mois d'août. Et c'est justement, vous êtes dans le mois d'août, dans cette vibration du mois de l'abondance et de la réussite. Donc vraiment, profitez pour mettre, pour bien être sûr de ce que vous mettez en place, parce qu'il y a de grandes chances que ce soit quelque chose qui réussisse. Normalement, vous le réfléchissez depuis pas mal de temps, mais maintenant, c'est le moment d'être un petit peu dans l'action. Si vous voulez atteindre les sommets, il est temps de mettre en place des choses et d'entrer dans l'action. Pour ça, je vous conseille un fossile.
qui s'appelle l'ammonite, parce que c'est un fossile qui apporte chance et succès et qui donne de la vitalité, qui aide à l'évolution et au changement et qui accessoirement lutte contre les insomnies. Donc pour certains, ça pourrait être utile. Voilà les amis pour la litho numéro du mois d'août. N'hésitez pas à me faire des retours. J'espère que, voilà, me dire si ça vous parle, si ça résonne en vous. Si vous avez déjà testé les pierres que je vous propose à chaque mois. Et bah, même me faire des retours si ces analyses-là vous plaisent, vous intéressent, etc. Surtout, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir et savoir un petit peu comment se situer. Et sur ce, bah, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao !